Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Cuphead. Je sais pas où j'en suis, le pointeur c'est chez vous, évidemment. Oh le train de la mine. L'enfer sur terre. Au secours. Ok. Ah! C'est peut-être pas ce que je voulais en fait. Connard, le gilet jaune, il balance des parpaings, super. C'est dommage. Hein? Grenade! Je l'ai celui-là ou pas? Ah oui. Grenade, ça, hop, oui, grenade dans la gueule. Putain, je le mets tellement jamais que je l'oublie, quoi. Toute celle va grimper en flèche. C'est bien possible, ça. Tu m'emmerdes, mon mignon. Je l'adore, il est incroyable, hein, mais j'y pense pas. Connard. Évidemment, je le prends plein dans la mouille. Les grenades dans la gueule. Putain, mais JPP de cet émo de Jeff Bezos. Hein. Mais je connais ça. Ah oh, bah c'est old meme. Hein. Old meme maintenant. Attention les enfants. Grenade. Paf. Des grenades dans la gueule. C'est ce contrôle de maître véreux, huissier de justice. Oh, je vais mettre le tracker là. Oh le connard! Je sens le prank, ok. L'intuition était bonne. Un fantôme. Ah mais c'est le train de la mine à Disney. Il était génial cet extrait. Oui. Aïe. Oh non. Ce qui est horrible avec celui-ci, c'est qu'il est long. Ah bah ça me... Ah! Hein? C'est dommage. Bon, il a pas l'air si affreusement long que ça par rapport à d'autres. On n'est pas loin des 300 morts là. Le train de la mine à Disney, là où ils font travailler leurs acteurs, oui, tout à fait. Qu'est-ce donc que ceci? C'est un magnifique bruit d'eau. J'adore l'eau, faut en profiter, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est dommage, y a pas de pari. Non, je vais m'enfuir quand tu es dans mes bras. Ah non, trop tard. Bien trop tard, ça. Non mais je vais rester au boomerang, c'est bien le boomerang. Pas le panneau et pas le panneau. Connard. Putain. C'est honteux. Il crie pour les pesos, tout à fait. Ah mais les pesos c'est important. On t'aime, hein. Jeff, si tu nous regardes, ne nous fais pas un procès surtout. Convocation au tribunal intensified. Je grille trop. Jeff Bezos, c'est le nom de l'emote.
C'est la version mexicaine qui aime les pétards burritos. C'est un concept. On l'a longuement étudié avec Maître Véreux. Et Maître 33 Export. Nos deux huissiers de justice préférés d'ailleurs. Évidemment. Connard, je te déteste. Tu sens le sexe d'enfant. Oh bah merci. Rien à faire, il l'a fait tout seul. Oh, le cauchemar. Les burritos. C'est exactement ça. On va avoir des problèmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, enfin? N'aie pas honte. Je sais même plus quelle connerie j'ai raconté. C'est censé être quoi ces trucs? Mais je sais pas. Enfin, seulement je le savais. Je sais pas, je dirais un teufur sous kétamine. Entre autres choses. Oh! Il a passé un mauvais moment, un plus mauvais moment que moi. Oh la locomotive. Arnine. Non, d'accord. Oui, oui, non, ok. J'ai probablement dit ça. Il est possible que dans un instant d'ivresse, j'ai dit ça. Je crois que les autorités vont sortir des choses. Ah merde. J'ai compris pareil. Non, non, mais je crois que j'ai dit ça. Bah, au final, l'idée est là. La 300ème. L'idée est là, hein. C'est-à-dire que si t'arrives à sentir cette odeur, de manière générale, t'as des problèmes avec la justice, quoi. Il sent le talc, c'est ça que tu voulais dire. Tout à fait, tout à fait. Non, mais... D'aucuns diront que si c'est son enfant, c'est pas si grave. Au secours. Elle est pas de moi, hein. Elle vient d'un célèbre boucher vosgien. Pour ceux qui n'ont pas la ref, n'essayez pas de la voir. RIP. Mais putain. Si t'es pas parent ou que tu bosses pas en pédiatrie, tu risques un peu quand même. Oui, certes, certes. Ça, ils sont pas obligés de le savoir. Je suis pas parent, je veux dire. Un boucher vosgien, non, Koutouine, tu ne peux pas avoir la ref. Il fallait être sûr. Shenzin peut avoir cette ref. Shenzin peut avoir cette ref. Galéo a cette ref. Mais Koutouine n'était pas sur le bon Discord au moment de la blague. Oui, je l'ai. Nous avons atteint les 300 morts, les sbires. Grave. Parce qu'au final, taper sur son gosse... Non, mais voilà, taper sur son gosse, ça va, mais alors sur son chien, jamais. La ref carnée, ouais, un peu, ouais. Carnée est un peu trop portée sur la croyance des gens. Enfin, je me comprends, quoi. Non. C'était naze. C'était naze, mais au final, c'est pas si essentiel. Les vegans qui te regardent, te jugent, font un gros sur Twitter. Non, mais de toute façon, les vegans font toujours un gros. Sur Twitter ou ailleurs, d'ailleurs. On est pas restrictif. Hein. Oh là là. Oh, il est facétieux, hein. Le prankeur. Vu de l'agression ! L'agression ! Ils le font quand ils s'en vont en anime. On aime les vegans, hein, bien évidemment. Voilà, I'm firing my laser. Le connard de tes morts. Mais tu bouffes là ta merde. Vega SMR, terrible. Du pot, je crois que parfois il te force à deux par
Allez, pour bouger le chat. Attends. Ah, parce qu'il faut que je savate les deux, c'est ça? Oh, la loco avec un de vie, ça va être drôle. Te force à faire deux paris pour bouger le chariot, ou alors c'est en difficulté. Super. Bah, je suis en normal, donc... Ah! Love it! Tu peux m'en foutre encore plus dans le cul, s'il te plaît? This match will get red hot. Putain, mais la foule locale est excitée, hein. Ça, c'est bien, ça. Tu y avais bien fait. Pas de dégâts à la local trident, tout à fait. Oh non, connard. Il te met le point, quel que soit l'endroit. Ouais, ok, je comprends. Quoi qu'il arrive, la baise est complète. Mais putain! Non, c'est nul. Aïe, aïe, aïe. Et pente. C'est dommage parce que j'avais fait des beaux paris... sur la P1. Malheureusement, j'ai pas transformé l'essai. Oh non. Putain, c'est dégueulasse, quoi. T'as de l'autre côté, vous allez voir. Non. Putain, j'y étais. Mais dans ces cas-là, faut pas que je bouge, en fait. Il est chiant. La P2 est chiante. La P2 est vraiment chiante. Now go! Vous êtes vraiment un wallop, hein. Ah, ça sent les moines des 18 ans et l'ocasseuse à plein nez. Rêve cryptique, hein. Alors là, celle-là, si vous l'avez... Si vous l'avez, vous avez eu une enfance, je vous le dis. Ça, c'est vraiment une rêve pété pour le coup. Ah. Non, c'est nul. L'histoire de ma vie. C'est de la merde. You're up. J'ai eu de la chatte là-dessus, mais comme Jaja. Ok. Pamel. Bon, j'aurais pu le laisser celui-là, pas grave. Non, c'est dégueulasse. Putain, c'est chiant quand ça fait ça. Ok. Des fois, la P2, t'as pas de chance sur les placements, et puis c'est tout, c'est comme ça, quoi. Oh non, pas j'en ai chmuche. Évidemment, je fais ça, mais je sais pas lequel va s'exciter, alors c'est complètement con. Remarque, j'ai le temps sur eux. J'ai bien fait de pas y rester. Putain, quel abruti.
Oh, tu vas aller bouffer tes grands morts, je te le dis, toi. Mais... Oh, le bâtard, mais... Ah, je sais pas ce que j'ai cassé un... J'ai pété un fantôme au milieu. Oh non, c'est dégueulasse, c'est honteux. J'ai choqué comme une merde. Ouh, c'était limite, ça. C'était audacieux, ça. Ça, c'était con. C'était juste de la merde. En barre. Carmed, oui, tout à fait. Et je me le prends quand même, alors que je veux m'éviter des dégâts, c'est nul. C'est terriblement casse-couille. Ok. Non, c'est chiant. Vous allez voir qu'il va m'emmener de l'autre côté. Je le savais. C'est pas du tout, mais alors, pas du tout ce que je voulais faire. Attends, y'aller où j'arrive. Putain, mais je perds des points de vue facilement là-dessus. C'est con, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe à mon placement. Un truc vraiment important, quoi. Faites d'amatale. Si tu publies une vidéo de gameplay sur YouTube, tu peux mettre une musique pas libre de droit dessus. Normalement, oui, c'est toléré. Ça fait partie du fair use. Tu peux te faire démonétiser, cela dit. Enfin, tu peux mettre de la musique pas libre de droit. Tu peux mettre la musique de jeu. Du jeu dessus. Normalement, c'est pas strike. Ils sont pas cons comme sur Twitch ou... Ou même pour un sample devant, tu peux te faire... tu peux te prendre un strike, quoi. Toléré mais pas monétisable souvent. Bah sauf pour les gameplay. Sauf si c'est la musique du jeu où là c'est ok. Par contre effectivement si tu veux faire un montage avec de la musique pas libre de droit là ça passera pas. Ils vont te dire ok mais ils peuvent te mettre des pubs sur ta vidéo. Et des fois pour te donner un exemple des fois même pour 5 secondes genre sur mes replays de civilisation la musique du menu principal elle est sous licence. Il suffit qu'on entende 5 secondes de la musique du menu et j'ai une claim pour monétisation, enfin pour démonétisation de la vidéo et ils monétisent la vidéo avec des pubs. Mais pas pour moi. En gros. Mais normalement, oui, t'as le droit de mettre les vidéos issues du jeu. C'est considéré comme un usage... C'est considéré comme du fair use. Et c'est ok. Ouais, non, mais YouTube, quoi. Voilà. YouTube qui démonétise des vidéos parce qu'elles parlent de guerre. Hein, des mecs comme Nota Bene qui se plaignent de ça toute leur life. Et visiblement, tout le monde s'en branle. Putain. Pire chien à bord. Mais grave. Mais je voulais poser un son random. Genre la lambada. Bah la lambada, ça peut ne pas passer. Faut le savoir. Ça, faut le savoir. Hein. Comme qui le dit, c'est écrit dans mon livre. Putain. Les paris par en dessous. Le dernier test de JDJ. Oui, non, mais voilà. On n'est vraiment pas obligé d'en parler, mais c'est un cauchemar. Le truc de Duke Nukem du JDG, mais la version censurée, c'est un sketch, quoi. Genre, t'arrives même plus à comprendre la blague, t'arrives même plus à comprendre la vidéo, quoi. Ça en est un point où c'est débile. Je vais trouver un son libre. Alors, regarde au pire dans la... Tu peux regarder dans la librairie YouTube. T'as une librairie YouTube avec des sons libres de droit, et elle est pas trop mal. Après, t'as vite fait le tour, mais c'est pas trop mal. Il y a des trucs relativement quali. T'as pris du grenier. Non, je ne suis pas cet illustre philosophe. Non. La Librada, c'est ça. C'est drôle ça. Tu fais un petit montage de tes lives sur Pokémon Unite, Galéo. Hey.
C'est chiant. Libre de droit, une musique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube ne l'enlève pas. J'ai toujours pas la ref. Hein. Chaque fois qu'il fait les paroles de musique, Natchum, je l'ai pas. C'est pas faute d'essayer, hein, mais... Une espèce de best-of de la semaine. D'accord, ok. C'est vrai que je me remette à faire des best-of, mais... pour ça, il me faut des dérocheurs. Alors, je sais que l'un des pistes m'avait dit que je pouvais le sbirifier. Envoie-le-toi. Ah oui, peut-être bien, ouais. Je sais que Nindépice m'avait dit que je pouvais le vérifier pour ça, mais il faut tellement de temps. J'ai mis la chanson sur le Discord, d'accord, j'ai peur. Comme d'habitude avec les trucs de la chum, j'ai peur. Pouet, 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 pouet. Mais Nindépice, il n'aura jamais le time. Non mais je sais. Je sais très bien. Et il m'avait dit ça la dernière fois. Mais bon. C'est horrible de dérocher. Ah, c'est affreusement chiant. C'est pour l'avoir fait les deux seules fois de ma vie où j'ai fait un best-of. J'en ai déjà marre, c'est vraiment super casse-couille. C'est pour ça que il faut pas hésiter à mettre des timecodes avec OBS. Je sais qu'il y a une fonction pour faire ça. Et dès que tu vois un truc drôle ou qui t'a fait rire, tu mets un raccourci clavier qui timestamp. Et en vrai, c'est le meilleur bail parce que ça t'évite beaucoup de démarches à la con. Putain, je l'avais. J'ai du bol, hein. Le peu de temps où je l'ai avec moi, j'aimerais pas qu'il le fasse à des rochers. Non, non, mais bien sûr, Shenzi. Ah, mais il m'avait dit ça la dernière fois, mais je sais qu'il est fou, hein. Je le connais, hein. On parle quand même d'un homme qui... Les 12 minutes, le tram, tout ça, bon, voilà, on connaît les beaux. Terrible. J'ai fait un calcul hier pour le LOL avec ma femme. On a calculé qu'il faudrait qu'il... Oh le connard! Ça aurait voulu dire qu'il marchait à 11 km/h. Donc il a couru en fait. Vu que de la marche rapide c'est environ 8 km/h. Je sais qu'il a des grandes pattes mais enfin quand même. Ça m'a fait un peu rire. Ah putain. 100% il a couru. Non mais voilà. Après en courant, là j'entends. J'entends bien. Bref. C'est surtout arrivé qu'une seule fois. Ouais, après il a jamais prétendu l'avoir fait plus de fois. Cela dit. Donc ça j'entends encore. Il a bien dit une fois. 99% du temps il rentre en 35 minutes. Ou en Uber. Parce que son patron est trop bourré. Enfin, on n'est pas obligé de parler de ça mais... Enfin, je me comprends, quoi. Oh, putain, il est insupportable. Hein. Je le pensais relativement simple, mais en réalité, il est vraiment insupportable. Hein. Okay. C'est vrai qu'il est chiant parce qu'il est long, hein, quand même, faut bien le dire. Putain, ça fait vraiment vachement plus de dégâts par l'arrière. Ah putain, faut que je fasse gaffe. Faut vraiment que je fasse gaffe à mon placement. Je vais faire une connerie. Ok. Ça va m'emmerder ça. Ok. Oh, bon la P3 relou. P3 vraiment juste chiante quoi. Faut absolument que je fasse gaffe à ces merdes là. I'm firing my laser. Ah
Ah ouais. Bon, on l'a dévitalisé le machin. Ok. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Mais là, faut absolument pas que je loupe sa queue de merde là. Voilà. Je sais pas, ça, c'est peut-être pas tellement dans la range. Ok. Ouh. Il a fondu comme un flat. Il tente de prouver, c'est de dire. Ah, un flat earther. Earther. Un platiste. Merci les jeunes. Ah, je l'ai eu en A. Ah. J'ai pas eu le super, super, super. Zoupa, zoupa. Hop. Ah, la loco fantôme. Mais du coup, attendez, j'ai tout là. Ah, on a. C'est direct les sales bails, quoi. Direct au casino, quoi. C'est fermé. Je sais pas comment on ouvre ça, hein. Je suppose qu'il y a un bail pété, mais. Peut-être un niveau caché, une fois que t'as... Tiens, tiens, qui voilà. Tu as réussi, mais tu m'as fait perdre un pari. Palais de Dédé. Ah ouais. Pour la peine. Je ne te laisse pas tout de suite passer. On va d'abord jouer un petit jeu. Il a l'air d'accord. Pourquoi je sens que je vais souffrir? Oh là là, au secours. You've been blackjacked. On dirait le mème de Macron, vous savez, quand il fait. Espèce d'image 3D horrible. Il a pas réussi à parier, je sais pas. C'est quoi le cauchemar là? Qu'est-ce que c'est que ces ivrognes? Ah! C'est horrible! Oh, il est horrible ce niveau! 1-1-1-1. Hein? Il faut faire 1 à chaque fois, c'est ça? Ah bah non. Ah ok, je crois que j'ai compris. Oh là là. Oh là là, lourde clope, hein. Lourde pocle. C'est horrible. C'est juste horrible. Start over. Tout est affreux, oui. Je vais me retaper Jean Michemuche Kloposman. C'est chiant. C'est juste trop lourd en fait. Arrêtez, Yamete. Yamete Kloposan. Klopusan. Klopusan. Dites-moi par contre que ma vie se recharge entre chaque mini-boss. Hein, parce que sinon, envie de canner. Hein. Sigalusan, oui voilà c'est ça. Exactement. Hey Smash will get red hot. C'est chiant, c'est... C'est insupportable. Alors, elle me jette ses olives de merde. L'autre, il me vomit à la gueule. D'après Lucian. Avec Satan. Satan derrière qui boit des coups. Oh, le combo. Des où ça va. Ah, Jean Michemuche là, Jean Michemuche demande. Ok. Nique-toi. Allez, les alcoolos. Les alcooliques anonymes. Ah bah, on a enfin passé le robot, oui. On en a passé pas mal, hein, au final ce soir. On a été productif. Hein. Et là, c'est le club des alcooliques anonymes. À peu près aussi insupportable, mais différemment. C'est lequel?
Connard. Détestable. Covid. Erronico. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La preuve, il vous tabasse la gueule. Tout à fait. Ah non, non, c'est Clopussan. Ah! Pourquoi j'ai eu un... Ah, d'accord. Mettre de la vie en mode random. Sigalusan. Et le 2, c'est quoi le boss? Je sais pas, je l'ai pas encore eu. Quel con! Ça se passait si bien. Oh, les patterns. Péted! Oh, les patterns pétés! Ok. Oh, il lui a écrasé la gueule. The pattern is there is no pattern, bitch. Exactement. You've been patterned. Ah là, si je fais 1, c'est safe, c'est ça? Sauf que j'aurai jamais le timing. Oh, mais j'ai un point de vie en plus, c'est bien. Luc, je suis ton pattern. Hein? You're up! C'est infâme. C'est cauchemardesque. Au secours, pourquoi je fais de la merde en barre? Mais comment je passe ça, moi? Faut forcément que je parie, en fait. Pas de choix, quoi. Hashtag, y'a pas de panneau, y'a pas de panneau. Le jeu de l'habitusan. Pas de recharge entre les boss. Non, j'ai l'impression que le seul moyen que j'ai de recharger entre les boss, c'est de choper ce petit déhanché du bouli. Oui, mais grave. Le seul moyen de recharger entre les boss, visiblement, c'est de choper un cœur sur une des cases. Donc là, faudrait que je fasse un 4. Ou faudrait que j'arrive à faire 2x2. Et évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Ça va être de la merde en bas. Ok, ok mon lapin, ok. C'est galère. Évidemment, j'aurai pas la vie. Il y a des flèches sur la roulette. Oh là là, terrible. Oh, on l'a pas eu lui, tiens. Quand? You're up! Je sais très bien ce qu'il va me faire. Voilà. Ça, c'était sûr. C'était sûr, en fait. Et elle bouge en fonction de ton chiffre du dé. Oh, bordel. Ah oui, non, sur la roulette derrière, oui. Ça, j'ai bien vu, ça. Ça, j'ai bien compris. Mais c'était sûr. Mais voilà, mais ça, j'ai sûr, bien vu, Shenzi. Et c'est, ça me donne le niveau en fonction de... Et c'est comme ça que je peux avoir la vie qui est estampillée sur le truc. Ça, j'ai bien vu, ça. Bon, lui, ça va. Et je suppose qu'il faut que j'arrive au bout en ayant toute ma vie, quoi. Mais c'est un peu relou, quoi. Best vidéo de Sard, by the way. C'était sûr, en fait. 2, 3... Ouais, faudrait que je fasse 2 ou 1, quoi. Du coup, là, c'est safe, donc il me remet un dé, c'est ça? Ah ouais, ok. Évidemment, je fais 1, alors qu'il aurait fallu que je fasse 2. Pour la vie, mais c'est pas grave. J'ai choisi la pire vie. Qu'est-ce qui... Hein? Oh, ok. J'avais pas vu ça sous cet angle, hein, évidemment. Chiant. Chiant à mort. Après, c'est les mini-boss qui sont pas
particulièrement difficile en soi, c'est juste que c'est un peu relou. Mais si on devait cataloguer toutes les choses casse-couilles dans ce jeu, on serait pas sorti de l'auberge. Genre lui, il est pas particulièrement difficile, il est juste relou. Avec ses dés de go à la con, là. Ok. Ah, il se met des patates dans les yeux. Ça, c'est pas très homologué, ça. T'aurais la récup. La redoute. Quoi? Ah non, pas un niveau en avion. Tout, mais pas ça. Mais on voit rien. C'est chiant. C'est honteux. Les chouals, non mais oui. J'avais tout. J'avais fait les bons chouals. Cataloguer tout ce qui déplaît dans le jeu. Ah ça oui, j'aurais la redoute, oui, au moins. Cavalier de l'apocalypse. Cavalier de ses morts, ouais, surtout. Il me remet lui. Très bien. Bon, lui, ça, avec le boomerang, c'est bien parce que du coup, je peux tirer vers l'autre côté et faire max dégâts. Par contre, c'est les patterns de ces trucs-là, envie de canner. Hein. Mais vraiment, envie de canner. Hein. Faut vraiment que je m'économise sur les trucs faciles comme ça et que j'évite de perdre la vie inutilement, surtout. Et là, je vais perdre un point de vie, vous allez voir. 100% certifié disquette. Hein. Évidemment. Voilà, on arrive au million. Évidemment, je fais 1. Non, mais en fait, faut vraiment que j'en ai rien à branler et que je max, quoi. Faut que j'essaye d'aller choper la vie up, quoi. Avec des man. Je l'aurais eu, là. J'essaie de choper la vie, Mac. Hein. La vie, Max. Ok, c'est bien, ça. Le petit up. Le plus 1. Fais gaffe, l'emplacement des up change. Oui, j'ai vu. Ah, il est chiant, lui. Non, il est casse-couille, lui, en fait. Mais tu l'avais avant. Ah bon? Moi, j'ai pas fait gaffe. C'est pas voulu. My bad. J'étais persuadé qu'il était sur 3 et j'ai pas fait un 3. C'est rien, hein. Pas grave. Hein. Je l'ai eu aussi cette fois-là, finalement. Vous savez que je ne suis qu'un streamer, hein. Je peux pas être partout. Oh, mais connard. Voilà. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est pas perdu. Enfin, si, mais c'était temporisé avant, donc ça va. C'est ok, Bill Bokeh. Ok. Bon, celui-là, il était entre guillemets gratos. Il m'a rien coûté. Sinon, du seum. Voilà, il faudrait que j'arrive à faire un 2. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins j'avance. Goum, goum. Il me bouffe, hein. Ah, c'est encore lui, bon, ça va. Lui, c'est ok. Lui, c'est gratos. Complètement gratos. Faut juste que je fasse gaffe à son dé bizarre, là. Voilà, ça, là, cette merde, en l'occurrence. Qui, évidemment, me fout dans un placement dégueulasse. Je vais écourter parce que j'y peps. C'était audacieux, ça. Hein. C'était plus que limite, ça. Imagine que si les projectiles n'étaient pas téléguidés. Ah bah, je souffrirais. Hein. Et allez, déjà 2 points de vie perdus pour de la merde. Bon, ok. Non, mais imagine. Non, mais je déconne, hein. Mais imagine quand même. Après, j'ai choisi l'arme, hein, aussi. C'est une arme de grosse baltringue. Hein. Oh, le 1, ouais, non, là, ça m'arrange pas trop, là. Ouais, ça, c'est déjà mieux. Après, pour avoir le 2, il faudrait que j'arrive à faire 2, puis 3. Évidemment. De la merde. Non, mais quand la RNG est nulle à chier, faut pas hésiter à recommencer en boucle. Là, il faudrait que je fasse 3 x 2. Ce qui n'arrivera pas.
Pas grave. C'est Cigarman, ça. Je sais plus. Je crois que c'est Cigarman. Ah, il est chiant. Hey, Toron! C'est insupportable. Très bien. C'était pas voulu, mais ça marche. Alors là, c'est le... Oui, c'est le jeton. Faut vraiment juste que je fasse gaffe. Une connerie est vite arrivée, mais ça le fait. C'est un sketch, putain! Ça, c'est gratos, du coup. Putain, j'avais pas vu sa merde. Mais ça, c'est chiant aussi, qu'ils te mettent à l'avant-plan des trucs qui t'empêchent de voir. Je trouve que ça, niveau gameplay, c'est pas terrible. Niveau immersion, c'est cool, mais niveau gameplay, c'est vraiment naze. C'est un sketch! Ah, les cartes du mec, là, c'est relou. Ça, c'est vraiment casse-couille. C'est pas le seul niveau où ils l'ont fait, et c'est assez pénible, en définitive. Ah, bien. Allez, si j'arrive à le refaire, c'est cool. Non, bon, c'est pas grave. Je vais me contenter de ce que j'ai. Le 6, je sais pas ce que c'est, mais ça va être terrible, je pense. Il est trop fort. Oh non, c'est lui. Non, non, il est chiant. Il est chiant. Alors lui c'est le champion. Champion de toute catégorie des trucs qui te passent devant la gueule. Mais genre, là, qu'est-ce qui m'a touché, là? Qu'est-ce qui m'a touché, là? Ces jockeys de merde là. Nathan, c'est un sketch d'April dans le deck. Non mais il est déjà dans le deck de Galéo, alors à un moment, voilà quoi. J'ai tard mes blagues en pâtisse. Le 6, c'est le chiffre entre le 5 et le 7. Oui. Oui, Nathan, tout à fait. Moi, je vais essayer de vivre, quoi. Je vais essayer de survivre. Ah non, pas elle. Ça, tout n'est pas ça. Connasse. C'est horrible. Putain, je vais pas dans le bon sens. Ah, c'est relou. Ah, c'est casse-burne, putain. J'entends connasse. Ah, c'est pas pour toi, Nico. Ah, ça me gave. Vous êtes un wallop, hein. Bon, je vous laisse. Bon courage pour vaincre le DD. Bonne soirée à tous. Des bisous, Shenzhen. Merci beaucoup d'être venu. Et des bisous. Ah non, sur le 1, ça m'arrange pas du tout, ça. Des bisous et à la prochaine. Passe une bonne nuit. La Gutenacht. Bon, sur le 2, ça, remarquez, ça m'arrange moyen aussi, mais bon. Ah, Cigarman, super, j'adore Cigarman. Cigarman, c'est vraiment un mec sûr. Débile. Je l'ai pas vu, j'ai pas regardé. Ah, sur le 3, ça m'arrangerait, là. Vu que j'ai en plus, je tire tout le temps des 3. Et là, le seul moment où je tire un 2. Je sens que ça va être long. Affreusement long et dur. Non, ne dites pas titre. Je vous en conjure. Bon, c'est pas grave. Je fais Cigarman sans la vie, c'est pas grave. Faut accepter son statut. Hein, Télé. Comme une terrible. Au moins, j'ai pas dit titre, c'est vrai. Tu as pensé très fort, mais tu l'as pas dit. Ivre, il fonce dans la clope. Tel un cassos habitant Verdun ayant 16 ans. C'est vraiment galère.
Ah non, le 2 c'est quoi? Ah ouais, le 2 c'est les jetons, il est insupportable. Finalement, c'est peut-être le moins relou. Non mais imagine. Ok. Knockout. Bon, ça c'est ok. Au moins j'ai pas perdu de vie. Patatiliti. Un petit 3 là, ce serait pas mal. Voilà. Heinrich. Ah, c'est eux. Ouais, ils sont relous. Quel con, mais quel con. Je vais dedans. J'y vais, genre demande, quoi. Putain, c'est gâché, ça. C'est bête, parce qu'il est pas si dur, en définitive, mais... Moi, par contre, je suis con. Mais putain! Terrible. Hein. Je prends quand même le pari dans le doute. Hein. Ouais, il faudrait que j'arrive à faire 3 puis 2. Histoire d'avoir la safe zone. Voilà. Prochaine emote, terrible. Ben non, parce que j'ai mes 5 slots pétés, là. À cause de Yéyé et Justine, l'autre jour, on a eu les 5 slots. Alors du coup, faudrait que je devienne partner. Spoiler, ça n'arrivera pas. Ou pas avant quelques années, en tout cas. C'est vrai qu'une emote terrible, ça aurait pu être drôle. Ah non, pas un niveau aérien. Au secours, ça va être chiant. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah d'accord, ok. C'est quoi le... Quel est le projet, là, en fait? Ah, oh, c'est un memory. C'est un memory de merde. OD partner. Ah non, ça, on n'est pas rendu là-dessus. Hein. J'ai 1 HP, hein. Seul le pénitent le passe. Seul le pénitent le passe. Pense à la garden party. POV, 1 million d'emplois créés. Mes mantras, mes mantras. Là, je m'y attendais pas. Ah, c'est pas la même. C'est dommage, y a pas des modes terribles. Ouais, il faut m'aider à devenir partner, les gars. Il me faut 75 viewers en moyenne. Le reste, c'est ok. Le reste, je le fais sans problème. C'est streamé 12 jours, je sais plus quoi. Mais le 75 viewers en moyenne, il fait très mal. Hein. Oh bah mon salaud. Il est long et insupportable ce boss. Télété. Télété. Putain. Ok. C'est celui-là, ouais. Ok. Il était là, ouais, voilà, ok. Oh putain. Oh, c'est, à chaque fois, c'est au poil de cul, hein. C'est cauchemardesque.
Ah putain, quel con, j'aurais pas dû sortir. Putain, quel abruti. J'aurais pas dû sortir de... du mode... de ces morts, là. Ok. Ah, mais du coup, c'est Cigarman. Cigarman, il est insupportable. Je vais pas mettre... je vais mettre le tracker, en fait. Pas me faire chier, parce que lui, il est chiant. Ok. Oh, c'était limite ça. Oh, c'était archi limite ça. Ah, par contre, le tracker, ça fait vraiment zéro deg. Terrible. Oh, putain, ça se passe pas mal en plus, hein. C'est juste que c'est archi long, quoi. Ok. On tempo, faut temporiser, c'est important. Surtout recharger l'eau. Un ou deux. Vous allez voir, je vais faire trois. Ça va. Un petit un là, comme ça derrière j'enchaîne un trois. Pas grave. Oh, le 6, c'est qui? C'est les dominos de merde? Oh, c'est... Non, c'est lui. C'est l'autre con. Au secours. Je perds patience. Hein. Putain, mais... Ils sortent d'où, eux? Ça y est, j'ai compris ce qui m'a niqué tout à l'heure. Mais je vois pas d'où ça sort. Ah, c'est les... C'est les bleus, là. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses gaffe en dessous. Ah, oh, mais terrible. Terrible. Terrific. Ok. Ah, si je peux faire un 1 into 3, ça me va. Hein. Bon, ce sera 3 into 1, c'est pas grave. Hein. T'as perdu un PV post-knockout? Non, je l'avais perdu avant. Je l'avais perdu avant. Après, il m'a peut-être affiché une embrouille. Enfin, une touche, mais non, non, je l'avais perdu avant. Je l'ai perdu à un moment parce que je me suis pris un fantôme bleu de ses morts. Ah, je comprends pas du tout ce que je dois faire, mais je suppose qu'il faut que j'évite les... ces merdes, là. Ça n'a pas l'air bien compliqué non plus. La bouboule. Elle boule magique. Oh, connard. Putain, je le sentais. Vu sa position de merde, je sentais qu'il allait me la foutre dans le cul. Sans aucun consentement, évidemment. Cadavérifique. Comme là, par exemple. Voilà, ok. Oh, il a gerbé, là. Il a gerbé ses morts. Passage à la fistinière. Allez. Ah, par contre, le start over, là. C'est vraiment des sacs à merde. Après, une fois que c'est clear, là, si je fais que des 3, normalement, il m'en remet pas. Non, c'est bon, ok. Je reprends la vie, je fais le 4. Mais je le sentais, de toute façon. C'est trop... C'était tellement facile de se le prendre dans le cul. Évidemment, voilà. Non, mais ça va le faire. Chaque fois que je dis celui-là, c'est facile, mais... Ouais, je vais écourter un peu le... la problématique. Allez, seul le pénitent le passe, seul le pénitent le passe. POV 1 million d'emplois. J'ai loupé le pari. Pas grave.
Voilà, ok, très bien. Si je fais 2 ou 3, c'est bien. Voilà, très bien. Là, je refais 2 ou 3, comme ça je récupère un de vie. Voilà. Un de vie, le 9, et derrière, je suis tranquille. T'inquiète, même le dé a loupé son pari, tout à fait. Ah oh, putain, non, pas lui. Pas lui. En réalité, ça va. Il est chiant, mais ça va. Ok. Faut juste faire gaffe à tout avec lui. Mais il est pas si au full. Tout à l'heure, je l'ai réussi. J'ai quasiment réussi à le faire avec un PEV. Donc j'y crois à mort. Celle-là, c'est la bonne. Par contre, je suis sûr qu'à la fin, ils vont m'en mettre un autre. Hein. Un mini-boss à la con. Infâme. Ah, celui-là, c'est là. Hop. En vrai, lui, ça a été répété moult fois. Oui, je sais. Mais lui, ça va vraiment. Regarde, ça va, là. Chaque fois que je dis ça, je me fais karma. C'est pas pour ça que ça marche. Non, mais je sais, mais... C'est vrai, c'est vrai. En même temps, si vous me supportiez un peu plus, hein, parce que Goodwin, il est juste content de me voir chaud comme un connard. Hein, si vous étiez pas juste des personnes de mauvais esprit qui se délectent de la souffrance des gens, peut-être que vous seriez des meilleurs humains. Mais bon, je me comprends, quoi. Après tout, n'oublions pas que Goodwin n'est qu'un viewer lambda. Finalement, est-ce que je devrais y attacher de l'importance? D'autant que c'est un modérateur que j'aurais déjà dû virer depuis longtemps. Hein. Dixit, un grand zététicien. Qui, je crois, avait raison, malheureusement. Là, ça commence à se... C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Bon, ça, c'est petit, monsieur. Ah, c'est comme... C'est comme te saucer quand je te choque. Crois en toi, tu peux le faire. Bah voilà, tu vois. Voilà, Nico, lui, au moins, il est gentil. Il m'envoie de la force. Même si c'est pour me balancer une saloperie 2 secondes plus tard, hein, mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression que vous trouvez un sens à la fondation d'Apridi. La seule fondation à but non lucratif qui redistribue vos subs en votre poids en emote. C'est un concept intéressant. On va probablement déménager le siège social à Malte d'ici quelques mois. Ça, c'est honteux. Et voilà. Comme quoi, finalement, celui-là, ça va. Ouais, bah, s'il y avait les croque-monsieur partis comme prévu, peut-être qu'on serait effectivement des meilleurs humains et qu'on se délecterait pas de la souffrance d'autrui pour ne pas penser à la nôtre. Alors qu'on sait pertinemment que tout ce que l'on fait, c'est créer un écho à notre âme chez autrui pour combattre la solitude de notre estomac. C'est vrai. Ah, moi, je veux bien les croque-monsieur partis, hein, mais bon. Ça implique que quelqu'un doive les faire. Ah, ça y est, là, il faut que je lui casse le fion, là, ça y est. Au secours! Il va me faire ça à chaque fois, d'accord. Ça, c'était pas super homologué au demeurant. Néanmoins fonctionnel, mais... Putain, c'est chiant! M'arrêter là pour ce soir. C'est vraiment le boss le plus horrible du monde. Insupportable. Ça, c'est les ondes négatives de Goodwin, hein, vous voyez. J'aurais dû le virer. Des bisous, YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux qu'on vire Goodwin. Des bisous, YouTube.